On va rentrer en France aujourd'hui. On va rester un peu dans le Pays Basque là, quelques jours. On va voir un petit peu ce qui se décide, s'il y a un nouveau confinement ou pas. Comme ça nous laisse des options pour la suite. On sera pas loin de la frontière espagnole. S'il faut repasser en Espagne, on repasse en Espagne. Et s'il n'y a pas de confinement, on remonte sur la côte atlantique. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'un an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Regarde le gosse, le chien errant. Chiens de chasseurs qui sont finalement abandonnés. Ils sont beaux ceux-là, ça court ça. Ça court vraiment. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les frontières sont payantes maintenant, ça coûte un PCR. C'est une nouvelle monnaie, pareil que ça fait un peu mal au nez. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez le test PCR? Merci, bonne journée. En rentrant au bercail, je ne suis pas sûr de ne pas me jeter dans la gueule du loup. Le spectre du confinement fauve plane au-dessus de mon crâne chauve. Mais en tout cas, ça va être l'occasion pour moi de voir et revoir pas mal de monde. On est d'abord accueilli par la pluie qui n'en finit plus, et les inondations qui en découlent. Je ne peux quasiment plus filmer, le Pays Basque et les Landes sont gorgés d'eau et mes disques durs d'images. Ça me rappelle un petit peu les Pays Baltes. Je réalise qu'ils sont déjà loin. Ils sont encore loin. Ils sont toujours loin. Et nous, on va essayer de se concentrer sur ici et maintenant, plutôt que là-bas à l'imparfait ou au futur conditionnel. Ici, on a des rencontres à faire. Ça va me faire du bien après un mois à l'écart du monde. Depuis que je suis rentré, j'ai parfois l'impression d'arriver d'une autre planète. Pourtant, j'étais pas si loin. On dirait que la vitesse de rotation s'accélère sans cesse. Alain m'indique tous les bons spots du coin et me tire le portrait. Bientôt, sur papier glacé. Ça y est, le soleil revient enfin et le sable remplace la boue. Ça va tout de suite mieux. Hey, le petit athlète. Des pays baltes, on est passé directement au Sahara. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et moi, ce matin, je veux pas l'avenir, je veux la dune du Pilat. Thank you.
Premier beau jour, ça fait du bien. Après un mois de pluie là, commence à en avoir franchement marre. Là, ça fait vraiment du bien de pouvoir se faire des petites balades en forêt. Là on est à la plage du Petit Nice, juste à côté de la dune du Pila. On se fait la petite balade du matin. Après la balade on va décoller, direction Bordeaux. On va aller voir Mélanie et Mathieu, que j'ai pas vu depuis longtemps. Et ça fait du bien d'être en France pour ça, pour pouvoir s'arrêter à droite à gauche, pour aller voir des amis, avoir des petits îlots de vie sociale comme ça. Plus je voyage en van, et plus je trouve que ça s'apparente au bateau. On fait du cabotage d'îlot en îlot, de port en port, parfois des longues traversées, ponctuellement accueillies en escale. On jette l'ancre souvent, mais jamais très longtemps. On appartient à personne et à tout le monde à la fois. On vient de nulle part et de partout. Les copains. Alors ? Et les copines. Et l'avenir. Hey ! Hey ! Rodriguez ! Ouais ! Viva la vida ! Allez, merci, ciao. Ouais toi. Je t'enlève le truc, c'est pas le poil. Enchanté Gédéon. Les rencontres et les livres. Tout le monde remonte vers le nord. Il est temps pour moi aussi de partir. De l'autre côté de l'estuaire, une nouvelle géographie. Ici, les oiseaux trouvent refuge, et moi, en été, j'y ferai bien mon nid. Pour l'hiver, c'est moins sûr. On va aller voir les cabanes de pêcheurs. Ils appellent ça les carrelets. Le carrelet, initialement, c'est le nom du filet avec lequel ils pêchent. Par extension, c'est devenu la cabane.
la géographie. Elle est là, la peinture. Les textures et les couleurs, les formes et les lignes, la composition et la lumière. Ici, on construit des digues, des ponts et des phares, protégés, reliés et éclairés. Il n'est pas rassuré sur les petits ponts en bois. On explore un petit peu la Charente-Maritime, département que je connaissais absolument pas. Et franchement, c'est une super belle découverte. Petit coup de cœur pour moi. On a déjà pris pas mal notre temps depuis 15 jours, 3 semaines, là, depuis qu'on est revenu en France. J'en ai profité pour faire plein de choses que j'avais à faire. Contrôle technique du véhicule, des petites upgrades du van, un peu de nettoyage. Et puis on a vu beaucoup d'amis aussi. On a fait des belles rencontres. Surtout dans la région de Bordeaux. C'est un petit peu le petit côté frustrant du voyage, c'est de devoir laisser les gens. Et donc c'est que des bribes de relations à chaque fois. C'est que des petits bouts de quelques jours, d'une après-midi, une soirée. Là, c'est un petit goût d'inachevé, faut accepter. C'est le prix de la découverte du voyage. Un autre côté un peu dans le même style qui est un peu frustrant dans le voyage comme ça, c'est quand tu trouves un endroit comme par exemple à la Charente-Maritime, t'aimerais bien y rester plus longtemps, t'aimerais bien explorer un peu tous les coins. Et en fait, il faudrait rester au moins un mois dans chaque département. Le voyage a vraiment plein de bons côtés. Là, je fais l'équilibriste. Si je tombe là, je perds tout. Ouais, le voyage a vraiment plein de bons côtés, mais justement, il faut savoir apprécier ce que tu peux trouver et accepter le fait que tu pourras pas tout voir, tu pourras pas tout faire. Je suis fou. Ben oui, mais c'est de l'eau, mon gars. Il est tombé dans l'eau. Ah, gosse, mon chien. Regarde-moi cette tête que t'as là. C'est plein d'algues. Aïe 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 aïe, ce chien. Quand faut enchaîner les conneries, t'es pas le dernier toi, hein. Eh oui. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce chien? Sacré chien. Bon, il m'a coupé dans mon truc. En fait, il était là sur la berge. Mais la berge, elle est bourrée de lierre. Et lui, il a cru qu'il pouvait marcher dessus. Il a glissé, il est tombé dans l'eau. Il est trempé. Comme un gros malin. Et donc, je sais plus trop ce que je disais. Mais oui, le fait d'accepter qu'on pourra pas tout voir, pas tout visiter. Qu'on pourra pas sauter dans toutes les rivières. Hein, Argos? Ça, c'est un petit côté un petit peu... parfois frustrant. Voilà, il faut pas que je tombe moi aussi. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais. Ça m'a complètement coupé dans mon truc. Enfin bref, le voyage c'est super, mais des fois on peut pas tout faire. On peut pas voir tout le monde, on peut pas rester indéfiniment au même endroit. Sinon ça s'appelle plus du voyage. Sinon ça s'appelle plus de la découverte. Et quand on s'attarde un petit peu à un endroit, après il faut forcément accélérer dans d'autres. Choisir, c'est renoncer. Là, par exemple, j'ai passé 15 jours à Bordeaux pour prendre le temps un petit peu de
voir plein de gens. Et du coup, après, il faut que j'enchaîne un petit peu, il faut que j'accélère un petit peu le mouvement si je veux un jour arriver en Norvège, quoi. Parce que si je passe un mois dans chaque département ou 15 jours dans chaque département, je pense que j'arriverai pas avant 2022 là-bas. On laisse la Charente-Maritime derrière nous et au hasard d'un pont, on va découvrir l'accueil vendéen. Ah, il est comme ça. Je me présente, comment s'appelle-t-il ? Argos. Argos, quand même. Mais au plus tu le regardes et au plus il... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire des photos, là ? De la captation de trucs, là ? Ouais, je filme un peu le coucher de soleil. C'est chez moi, ici. Mais là, tu filmes. Tu filmes tout ça, quoi. Moi, je t'invite à filmer. Bah, c'est gentil. Cool. C'est comment ton prénom ? Antoine. Moi, c'est Bertrand. Salut, Bertrand. Bienvenue au Cafornio. Cafornio ? C'est un lieu de passage qui sert d'abri ou d'accueil aux voyageurs de passage et notamment aux navigateurs, quoi. Le Cafornio, c'est ça. C'est, d'accord. C'est cet endroit, quoi. C'est un endroit un peu en dehors du temps, voilà. Ah, c'est joli, en tout cas. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. C'est tranquille. Le petit, bon, il est gentil comme tout. Ouais, mais ils vont jouer. Ils se sont vus tout à l'heure déjà. Là, il y a les copains du café. Ah, mais tiens, on s'est croisés. Oui. Ouais. Bah, re. Bertrand Film. Voilà. Salut, Bertrand Film. Bonjour, mesdames. Salut. Ma soeur Rachel, mon meilleur ami Mika, Peggy, ma meilleure amie. Mon ami aime, ouais. D'accord. Eh ben, enchanté. C'est cool ici. Bertrand, viens. Ouais, ouais. Bonsoir. Ah, formidable, bonjour. Bonjour. Ici, ce sont des anciens marais salants, ouais. convertis, qui sont devenus par la force des choses des marais à poissons, quoi, tu vois. On fait plus de sel, mais ici c'est vraiment un marais salant, quoi. D'accord. Ça l'a été il y a 200 ans. Ouais, ouais. Et puis c'est devenu des marais à poissons avec des fosses. Donc ces fosses là sont ici il y a 3 mètres de fond. Ça permet aux poissons en hiver de se réfugier du froid, tu vois, etc. Et on est 100% salin, quoi. C'est pas des eaux saumâtres, c'est pas des... Non, c'est... On est que... L'océan est à... Oui, j'ai vu qu'il était... À vol d'oiseau, il est à 1 km. Il est pas loin, il est juste là, ouais. Donc nous, on s'amuse ici, voilà. Ok. Et c'est toi qui as construit tout ces... Tout, c'est que de la récup, bah, viens. Tous ces trucs, hein. Tu fais pousser... Tu fais pousser des trucs. Je fais pousser ce que je peux. Tu fais des canapés. Voilà, je fais des trucs solaires, tu vois, des petites cabanes pour les copains l'été. Ah, cool. Avec des systèmes solaires, tu vois, indépendants. Regarde, il fonctionne celui-là, tu vois, hop, tac. Enfin, s'il veut, oui, voilà. Ouais, il fonctionne. Hop, 12-5. Là, donc, tu peux avoir la lumière, le machin. T'as même un ampli qui s'allume. Enfin, si t'as une... Normalement... Ah, les signes. Ouais, ça va. Voilà. Voilà. Si tu veux faire une belle prise de vue, on t'invite à juste monter là-dessus. Quand je suis arrivé, j'ai vu terrain peu, je me suis dit ça, c'est des trucs familiaux ou des trucs. Ouais, ce sont des trucs familiaux. Des trucs. Mais là, on est sur une île, là, Bertrand. Là, on est sur une île qui fait. Il y a une quinzaine de terrains, tu vois. Et c'est une île, quoi. Ouais. Moi, ce qui me passionne maintenant, c'est qu'en fait, tu vois, les saules. Que j'ai planté, ça c'est des saules qui viennent de vigne, et ben tu vois, ils sont en train de faire des bourgeons. Et ce seront les premières choses qui vont alimenter les abeilles, quoi. Elles vont venir se nourrir de ça, quoi. Dans une semaine, ça sera des pompons, quoi, de pollen, quoi. Ah, ouais. Et elles vont débarquer. Ouais, ça c'est cool. En plein marais, en plein vent, avec des conditions quand même un peu particulières, tu vois. Elle a toujours existé là, elle est là depuis les années 60, quoi, à peu près, au moment où ils ont construit le pont. Construire un pont, c'est-à-dire on peut ramener du matériel, donc faire des cabanes. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et c'était des cabanes qui servaient à stocker le matériel de pêche.
Ça pouvait être des filets, des trucs, des râteaux, enfin tu vois, toutes sortes de choses. Quoi. Potager, cuve à eau, machin. Et puis le reste c'est pour tous les copains. La cabane qui est ici, là où on est passé tout à l'heure, c'est pour les copains. Quoi. Radis, salade, et la mâche elle est bien prise aussi. Ah oui, la mâche, à l'abri du vent. Coin, on est dans une configuration ici, on est quand même en vent permanent. Il y a toujours de l'air. Quoi. Ouais, t'as toujours un notamment minimum. Ce vent de nord-ouest. C'est pour ça que toutes les cabanes sont orientées un peu du même, voilà, toujours pour se protéger de ces vents-là dominants. Voilà, quoi. Va.